Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch pardon, de Footballix pour cette troisième édition de l'émission Footballix avec, on vous le rappelle, des invités toujours plus intéressants chaque semaine pour s'intéresser au football de l'intérieur et mieux le comprendre. Aujourd'hui, pour cette troisième édition, on va parler psychologie. J'aime beaucoup ce thème, vous le savez, on est toujours en train de parler et de rentrer un petit peu dans la tête des joueuses et des joueurs. Et aujourd'hui, on va parler du rapport entre la psychologie et la performance du joueur sur le terrain avec notre premier invité, Anthony Metz, qui est là avec nous. Alors, on dit Anthony Metz, Anthony ? C'est parfait. Alors, tu es psychologue, préparateur mental. Explique-nous un peu qui tu es et quelle est ta fonction. Alors, de formation, j'ai une thèse en psycho, donc je suis docteur en psychologie et je travaille dans l'accompagnement de sportifs en grande partie sur des questions de performance, donc plutôt dans une démarche de préparation mentale ou des questions plutôt liées, on va dire, au bien-être ou à l'équilibre de vie, donc plutôt en mode psychologue. Donc j'ai un peu les deux casquettes et je sors la bonne en fonction des besoins de chaque joueur. Oui, parce que moi, j'ai suivi tes travaux, entre guillemets, tes écrits, notamment, tu as suivi, entre guillemets, ce parcours de l'équipe de France, et derrière, tu en es ressorti aussi pas mal de conclusions. Tu t'intéresses de très près donc à la psychologie et à la préparation mentale dans ces cas-là. Oui, tout à fait. Alors, on va recevoir dans 15 minutes aussi, hein, à peu près, ou même un peu moins, Johan Odell, l'ancien joueur de l'OGC Nice, du FC Nantes et notamment de Stuttgart en Allemagne, qui va nous rejoindre petit à petit. Il avait son petit repas à finir, Johan, tranquillement. Il est du côté de Clairefontaine et il va nous rejoindre d'ici quelques minutes. En attendant, Anthony, on va faire un petit peu le tour et du sommaire de cette émission. Alors, on va demander, voilà, le voici, le sommaire. On va parler de la différence fondamentale. Il faut bien, et tu vas être d'accord, différencier la préparation mentale et la psychologie, qui sont deux domaines très différents. On va parler aussi de la dépression du footballeur qui commence un petit peu à faire parler, mais jusqu'à maintenant, c'était et ça allait encore un sujet tabou. On va parler de la psychologie par poste, parce que la psychologie n'est pas la même, j'imagine, quand on est gardien de but ou quand on est attaquant buteur. Et puis, pour concrétiser un peu tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui, on va prendre des cas concrets, notamment donc l'équipe de France, pour se rapprocher de l'étude que toi, tu as faite et de l'analyse que toi, tu as faite justement du parcours, notamment de l'équipe de France à la Coupe du Monde au Qatar. Donc, savoir si finalement l'équipe de France, elle est solide ou elle est fragile. On a besoin de le savoir, on a besoin de tes réponses, parce que c'est vrai que parfois on a l'impression qu'elle est solide, et parfois qu'elle l'est beaucoup moins. Et enfin, pour concrétiser, on finira avec le Paris Saint-Germain et la Ligue des Champions, avec les déboires, souvent les résultats en dents de scie, et ça ne va pas au bout jusqu'à maintenant pour les Parisiens. Est-ce que c'est un problème psy, ou est-ce qu'en tout cas, la psychologie ou la préparation mentale en font partie? On s'interrogera et on donnera des réponses avec toi tout à l'heure. Alors, premièrement, le premier sujet, différence entre préparation mentale et psychologie, Anthony, c'est important de faire la différence entre les deux. Ouais, il y en a plusieurs. La première différence, elle est, je dirais, en termes de formation. Un psychologue a fait un cursus universitaire en psycho. Donc, il a 5 ans il a un master en psychologie avec des options après en psychologie du sport, de la santé, de ce qu'ils préfèrent en fait. Un préparateur mental, là c'est plus compliqué. Dans le meilleur des cas, il a suivi un cursus de STAPS, donc sciences du sport. Il a une licence, un master, etc. Mais comme le métier n'est pas en tant que tel un métier aujourd'hui, pas en tout cas déclaré comme tel, tout le monde peut être un peu préparateur mental. Donc, tu vas trouver des préparateurs mentaux dans le monde du foot. Il y en a beaucoup qui sont préparateurs mentaux avec des formations de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, etc. Donc, ils n'ont pas tout un background vraiment de psycho avec eux, qui ont juste quelques outils ou quelques connaissances pour travailler des compétences comme la concentration, la motivation, le stress, tout ça, mais qui n'ont pas vraiment derrière eux toute une sorte de, voilà, d'assise et de maîtrise de tous les outils en psycho. Donc, différence de formation. Et après, tu vas avoir une différence aussi sur les objectifs, parce que le psychologue a quand même une démarche, on va dire, de recherche d'équilibre et de maintien, d'équilibre, de santé, tout ça, de prévention.
Donc, on va travailler beaucoup sur des thématiques liées aux émotions, au stress, ou des fois des thématiques un peu plus sensibles comme les violences sexuelles, les addictions, le burn-out, tout ça, ou la dépression. Alors que le préparateur mental ne va pouvoir souvent travailler ou ne devrait travailler que sur des aspects de performance ou de compétences psycho qui sont en lien avec la performance, donc vraiment la concentration, le stress, encore une fois, la motivation, l'estime de soi, un peu ce genre d'approche-là. Donc il y a ces deux différences-là, et après la différence qu'il y a encore, c'est que quand même, dans la façon de travailler, les psys, on est quand même sur un mode très cabinet et très consultation, je dirais un peu classique, tu vois, en face à face, dans des bureaux fermés ou des espaces un peu médicalisés. Un préparateur mental, généralement, il est plus sur le terrain, il va plus chez les gars, il va sur le terrain, des fois en short, en crampons, etc. Il est vraiment une démarche très, très appliquée. C'est souvent aussi d'ailleurs un ancien sportif, soit pro, soit quelqu'un qui vraiment connaît bien le milieu. Et comme tu es en préparation physique, c'est vraiment des mecs qui aiment le terrain, en fait. Donc, ils vont être plus sur l'action et des recherches de, comment dirais-je, de changement immédiat et de voilà, d'évolution rapide. Oui, parce qu'on peut dire que maintenant, la préparation mentale commence à devenir un élément déterminant justement dans la performance d'une équipe. Et justement, les clubs sont en train de s'en rendre compte. Et c'est peut-être aussi un des facteurs X pour aller chercher un résultat. Plus d'un siècle qu'on travaille sur ça en termes scientifiques. Donc, il y a plein de travaux début 20e en psychologie du sport, etc., pour comprendre l'aspect des fois très éducatif du sport et les conséquences d'un point de vue psychologique du sport. Et évidemment, une recherche aussi de lien entre la psychologie. Rien de nouveau, c'est juste que ça met un temps fou à vraiment casser un peu les barrières du monde du sport et donc à prendre la place qu'elle devrait avoir dans une démarche d'excellence ou de haut niveau sportif. Il y a des sports qui sont objectivement beaucoup plus réactionnaires que d'autres, conservateurs, et donc les portes se passent difficilement pour les préparateurs mentaux. Le foot, c'est le cas. Pour toi, c'est un monde plus difficile à atteindre de ce côté-là. Le foot, c'est le cas, mais c'est assez particulier parce que il y a un écart entre l'équipe de France, les clubs et le monde amateur. Il y a plein de préparateurs mentaux dans le monde amateur, alors qu'il n'y a pas d'enjeu énorme d'un point de vue Ah oui. économique, financier et performatif. La plupart des joueurs qui sont en ligue anglaise, allemande, tout ça, voient des psys pour des questions presque d'obligation médicale de la part des fédérations, des ligues ou des clubs. Et en France, c'est un peu complexe. Dans les clubs pro, Ligue 1, Ligue 2, il n'y a pas grand-chose. Il y a des collègues qui interviennent dans des clubs spécifiquement, qui font même un travail des fois, je dirais, de long terme avec les centres de formation, la prévention ou la détection des joueurs aussi, le recrutement et leur accompagnement sur le long terme. Et en équipe de France, ben, t'as vu, j'ai un peu écrit là-dessus, à ma connaissance, il n'y a rien. Il n'y a pas de préparateurs mentaux, de psychologues dans l'équipe, le staff d'équipe de France pure. Il y a des mecs dans le staff qui ont fait des formations et qui ont des connaissances en préparation mentale, en psycho, mais il n'y a pas d'intervenants en préparation mentale pure. Spécialisé, ouais. Tu penses que c'est quelque chose qui va se démocratiser aussi petit à petit, parce qu'en même temps que la question de la psychologie un peu, eh ben le tabou s'éloigne un peu, un petit peu vraiment, parce que pour en avoir justement discuté avec une collègue à toi, on en a parlé, c'est un sujet encore sensible. On va basculer justement sur la deuxième partie, sur cette psychologie qui est tabou. Et c'est vrai que je me souviens même que cette personne m'a dit au tout début son métier, elle a voulu justement intégrer la psychologie dans un club de foot et les présidents lui riaient au nez quand elle a dit c'est très important, les joueurs ont des vrais problèmes, mais le problème c'est que même si les joueurs eux déjà passent, on va dire, pour des super-héros, donc c'est difficile pour eux d'avouer qu'ils ont des problèmes psychologiques, mais ça passe aussi par les dirigeants de club aussi qui ont du mal à intégrer le fait que la psychologie est importante. Ça passe beaucoup par les dirigeants de club, les présidents, tout ça, et par les entraîneurs. Pour moi, c'est vraiment les coachs qui ont la mainmise sur tout ça. Et il y a des coachs plus ou moins ouverts que d'autres, plus ou moins intéressés. Il y a des coachs qui veulent tout contrôler, tout gérer, d'autres qui veulent déléguer beaucoup. Tout est possible. Ça prend du temps. Franchement, en foot, je suis quand même surpris
de l'écart qu'il y a entre les salaires des joueurs, toute l'économie qui est brassée, et des fois le manque flagrant de compétences psychologiques, mentales pures des joueurs. Je me dis quand même, c'est dingue de prendre des joueurs de ce niveau-là, alors qu'ils sont friables sur le plan de la concentration, du stress, tout ça, qui sont pas toujours très motivés non plus, pour plein de raisons. Et bon, c'est pas grave, mais je me dis quand même, vu les sommes d'argent qu'il y a en jeu et les conséquences qu'il y a d'un point de vue sur l'économie d'une ville, de supporters, même de l'entreprise et des entreprises qui sont reliées comme partenaires. C'est assez dingue quand même enfin, on fait tellement de choses d'un point de vue physique maintenant, avec toute une armada de gadgets, de technologies. On se dit quand même, on arrive à faire des trucs de dingue en préparation physique sur l'aspect technico-tactique. Alors ça, dans le foot, c'est omniprésent. Mais sur le mental, en fait, on fait rien. Donc, on part pas de zéro, mais quasiment. Donc oui, Ouais. il y aurait beaucoup à faire. Bon. Ah ouais, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une marge de progression énorme. Et là, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que pour faire venir un joueur, on s'intéresse souvent aux statistiques. D'ailleurs, c'est souvent ce qui vient en premier, les capacités intrinsèques physiques du joueur. Mais on ne prend pas du tout en cause le contexte pardon, psychologique. Notamment, je sais qu'il y a des joueurs, il y a un joueur qui s'appelait Reynald Pedros qui jouait au FC Nantes. Tu vois, à l'époque du FC Nantes, de Coco Ciuadò dans les années 90, le FC Nantes jouait très bien au football. Ça jouait dans un style particulier, à une touche de balle rapidement, etc. Johan Odell est arrivé après, mais il connaît très bien la maison. Et voilà, c'est vrai que. Les joueurs parlaient d'un complexe, et notamment Reynald Pedros a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle Le complexe du canari. Et en fait, il explique que derrière, il était dans un contexte particulier, avec un type de jeu particulier, justement un contexte psychologique particulier. À partir du moment où il est parti ailleurs, il n'a plus jamais joué de la même manière, et dans sa tête, c'était plus pareil. Tu vois, parce qu'ils étaient vraiment dans un contexte particulier, et là en fait il a pas pour lui il n'a pas fait les bons choix derrière, parce qu'il n'a pas d'abord recherché le côté, on va dire, psychologique, c'est-à-dire aller chercher quelque chose qui ressemblait en termes d'environnement plutôt qu'en termes de football à ce qu'il attendait. Absolument. C'est assez passionnant, et ça montre que, comme tu le dis, le mental devra prendre le dessus un jour ou l'autre, parce que, eh ben, tu vois, sur le transfert, toi, pour toi, est-ce que la préparation mentale devrait être aussi importante que la préparation physique bientôt? Ça reste du sport, donc le sport, c'est quand même physique au point de départ. Si tu as un mental de fou, mais que physiquement tu ne tiens pas la route, tu ne seras jamais pro, hein, faut pas se mentir, ou du moins pas footballeur. Tu pourras être champion du monde de fléchettes ou de. Tu ne tiens pas la. Donc, faut pas de mental pour les fléchettes. Ah, si, il en faut, mais moins de physique, c'est l'avantage. Si tu n'as pas le cardio, les cannes pour tenir un match tous les 3 jours avec tout ce qui va autour, c'est quand même compliqué. Maintenant, je bosse avec pas mal d'agents de joueurs de foot, en fait, et je leur dis des fois. Tu as pris tel joueur parce qu'en effet, c'est le meilleur de ta génération. Mais je l'ai vu, moi, en entretien, et il s'en fout. Tu vois, c'est un joueur talentueux, mais il n'a pas le profil du joueur de très haut niveau. Et on sait aujourd'hui exactement quelles sont les compétences et profils d'un joueur de très haut niveau. Hein. On sait le repérer avec des compétences très spécifiques et différents outils. Donc, ça, on sait faire. Mais tu sais, par rapport là, donc aux Canaries, par rapport à Nantes, tout ça, je me disais, mais en t'écoutant parler, tu vois, c'est marrant parce qu'en entreprise, quand tu postules pour un poste, tu vois, responsabilité quand même assez conséquente, tu vois, 5 000 euros net par mois, tu vas passer 3 4 entretiens, des mises en situation et tu vas avoir 3 mois d'essai. En foot, on va regarder des vidéos, tu vas faire un match où tu fais un bon match, tu vas briller, tu vas être tout de suite à l'affiche et tu vas être recruté 40 millions d'euros en Angleterre. Mais quand même, c'est incroyable, on va acheter un joueur à ce prix-là, on ne sait même pas s'il a envie de jouer, s'il est encore motivé, si je ne sais pas quoi en fait. Mais voilà, c'est du foot qui est comme ça. Est-ce que toi, tu arrives petit à petit, à travers ce que tu fais, ton travail, est-ce que tu arrives justement à faire comprendre? Et il y a aussi justement peut-être une nouvelle génération d'entraîneurs. On voit par exemple avec Didier Digaranis, ou ces joueurs qui arrivent petit à petit, cette nouvelle génération d'entraîneurs qui viennent à peine de terminer leur carrière, qui arrivent et qui ont quand même
qui donnent en tout cas l'impression d'amener un peu plus de mental et de psychologie dans leur façon de faire. Alors oui, j'ai l'impression que les jeunes entraîneurs, mais déjà en France, pour être entraîneur jeune, c'est quand même compliqué, hein, parce que je ne connais pas la moyenne d'âge des coachs de Ligue 1, Ligue 2, mais elle n'est pas de 30 ans, c'est certain. C'est sûr. Donc pour entraîner à un niveau pro en France, il faut avoir fait derrière soi 20 ans, 30 ans de terrain amateur, et puis si vous n'avez pas été pro, c'est encore plus compliqué. Donc il y a déjà plein comme ça d'obstacles qui sont liés à la fédération, en fait, et au passage des diplômes, etc. Il y a plein de passerelles ou de barrières qu'on va vous mettre devant vous. Donc c'est quand même compliqué de passer entraîneur jeune. Et lorsque les coachs sont en place, en fait, ils ont tellement d'objectifs, de résultats, de performances rapides, qu'ils font surtout confiance à eux-mêmes et à leur méthode, et ils vont pas trop chercher souvent à changer ou à la faire évoluer, en fait. Donc c'est tout à fait logique, ça se comprend, mais bon, je bosse quand même pas mal d'entraîneurs qui sont très novateurs, et généralement les coachs, ils aiment beaucoup en fait toutes les techniques qu'on a en préparation mentale plutôt managériales, qui vont avoir une influence sur la cohésion de groupe, sur l'équipe, et qui vont permettre d'augmenter le niveau de cohésion et de stratégie collective. Ça, ils aiment beaucoup. Donc ils aiment bien qu'on leur passe, qu'on transmette les outils, pas forcément qu'on le fasse nous, mais qu'on soit un peu des relais, des transmetteurs. Après, les coachs, ils ont tellement de choses à gérer au quotidien qu'il est impossible que Deschamps fasse un entretien individuel avec chaque joueur de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde toutes les semaines. C'est impossible. Pour des questions matérielles, de temporalité, ça ne rentre pas. Donc il faut forcément que d'autres le fassent. Normalement, on est là pour ça, mais il faut qu'on veuille bien qu'on intervienne. Très intéressant. Alors, je profite de ce petit moment. Alors, Johan Odell arrive, il arrive ici quelques instants. Je profite pour dire aux viewers qui sont là, déjà leur souhaiter la bienvenue et puis leur dire qu'ils peuvent poser les questions en live. On relaiera et puis on essaiera d'y répondre. Et Anthony essaiera aussi d'y répondre autant qu'il le peut. Et Johan arrive d'ici quelques secondes. Il est en train de se connecter. Alors, on va passer à la suite pour revenir un petit peu sur le sommaire. Je voulais parler un peu de la psychologie par poste, parce que j'imagine que la question peut paraître bête, mais on ne traite pas psychologiquement un gardien comme un attaquant. T'es sûr? Tu sais, scientifiquement, on n'a jamais vraiment trouvé de différence statistique entre des profils de personnalité entre les sports, ni même entre postes. Donc, si je faisais le chercheur pur, je te dirais qu'on ferait presque la même chose. D'un point de vue quand même terrain, je te confirme que dans une approche plutôt empirique, c'est quand même très différent un gardien de but, et c'est souvent quand même des profils un peu particuliers, voire très particuliers, d'un milieu de terrain, d'un attaquant, auquel moi je rajouterais plus, par contre, comme influence, non pas tant le poste, mais l'origine culturelle. Parce que OK, d'où très vient le intéressant. joueur, ça l'influence énormément sur ses croyances, sa perception du bien, du mal, d'être le maître à bord de son projet, ou d'être dépendant de Dieu, de ce que tu veux, etc. Donc c'est peut-être pour moi plus influent ça, le contexte culturel et religieux, pour aller clairement voir les choses, plutôt que le poste, parce que, outre vraiment les gardiens qui sont vraiment des profils de personnalité très particuliers, les autres joueurs se ressemblent quand même assez tous, quoi. Donc il y a du D'accord. lien entre eux. Ouais, mais c'est souvent, pour en avoir discuté aussi avec des joueurs, souvent la bascule aussi entre un joueur, on va dire, de niveau CFA à un joueur professionnel. Alors, même si à CFA, on est quand même à un très bon niveau, mais justement, il y a beaucoup de joueurs qui, à l'entrée du monde professionnel, échouent. Il y a un nombre incalculable, un fort pourcentage de joueurs qui échouent. Et souvent, pour en avoir croisé, techniquement et physiquement, ils sont aussi forts que des joueurs de Ligue 1, et la bascule psychologique, elle est là, et c'est ça souvent aussi qui fait la différence entre un joueur de CFA et un joueur de Ligue 1. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça, maintenant, on le sait très bien, on le repère très facilement, et on sait aussi, alors ça, je le dis, c'est un peu cruel, c'est un peu pour le coup.
Ouais, un peu cruel, mais on sait très bien à 15-16 joueurs, le joueur qui a le profil pour passer en Ligue 1, Ligue 2, de celui qui ne l'a pas. Parce qu'il lui manque une capacité de projection, il est trop craintif, il est trop ceci, pas assez cela. Et surtout, il n'a pas l'envie et l'intelligence de vouloir travailler ses manques. Il se repose que sur ses bases, et c'est là où il se met du coup en échec. Tu vois, alors j'entends que Johan est avec nous. Tu es là, Johan? Bonsoir. Ouais, salut Johan. Alors on va passer sur l'écran. Le voilà, salut Johan Odel est avec nous. Salut Johan, ça va? Ça va et vous? Le repas est pris, tu as digéré. Ouais. Désolé, je suis en formation avec La Fontaine, donc Ouais, pas de problème. Pas de problème. C'est les diplômes d'adaptation. d'entraîneur pour toi? Pardon? C'est les diplômes d'entraîneur? Ouais, voilà, c'est un nouveau métier qui commence. Très bien. Bah, tu vois, on parlait de la retraite et la reconversion sur la première, justement. C'est le sujet d'actualité. Alors, je te présente Anthony Maître, qui est là, psychologue et préparateur mental, qui travaille notamment avec des joueurs de foot. Anthony, je te présente Johan, qu'on ne présente pas, mais ancien joueur Bonsoir. professionnel. Voilà, notamment FC Nantes, OGC Nice, Valenciennes, Lorient, Stuttgart aussi. Je ne les ai pas tous de tête, mais j'ai dû faire à peu près tous tes clubs, C'est ça. Johan. On se croisait du côté du FC Nantes. Alors, on était arrivé justement sur quelque chose qui peut être assez important et je voulais aussi avoir ton avis. Donc, on est sur ce rapport entre psychologie et performance. Je parlais des différents postes. Ce qui est important, j'essayais de faire la différence entre par exemple le traitement psychologique d'un gardien et celui d'un attaquant. Toi, t'étais un attaquant, hein, t'étais un joueur offensif. Et cette question m'intéresse. Je sais pas si tu as déjà vu le reportage Secret de buteur qui est passé sur Canal+, et il parlait vraiment de l'importance psychologique pour un attaquant qui, quand il est en mauvaise posture de ce côté-là, qu'il ait des problèmes dans sa vie ou autre, forcément ça marche moins bien. Donc le côté psychologique a une vraie importance sur le terrain, surtout aussi pour ses buteurs, pour ses attaquants comme toi tu as été. Je n'ai pas vu le reportage, mais je confirme parce que moi-même j'ai eu, bon, même si j'étais plus ailier gauche, plus passeur que buteur, mais j'ai eu aussi à Valenciennes une période où, ben, très délicate, très très délicate, où je venais d'avoir ma fille, donc voilà, j'avais des à côté à gérer, et c'est vrai que je marquais beaucoup moins, et voilà, j'étais un petit peu décrié par les supporters. Et voilà, après j'ai surélevé la tête, bien entendu, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que Anthony, tu vois, justement, ces joueurs-là, il y a plusieurs buteurs qui sont là. Il y a de différentes époques, hein, Bernard Lacombe, Karim Benzema, en fait, tous ceux qui ont été meilleurs buteurs de championnat de Ligue 1, et qui expliquent justement, et ça, tu peux nous le confirmer aussi, peut-être, Johan, c'est dans ces cas-là, la cage, par exemple, paraît toute petite et le gardien très grand. Et au contraire, quand on est en pleine confiance, le gardien est minuscule et la cage est fait 4 mètres de large, quoi. Non, mais c'est clair. Après, c'est même pas une question de gardien ou de cage. C'est des automatismes qu'on a. Moi, j'ai discuté récemment avec Greg Dupont, qui me dit que Karim Benzema, après chaque séance, reste et travaille. Et pourtant, c'est Karim Benzema, dernier ballon d'or. Donc voilà, c'est simplement des habitudes à prendre. Après, c'est comme dans la vie, c'est comme dans tout. Des fois, on a des coups de moins bien, et quand on est moins bien, on a du mal à se concentrer, on a du mal à être focus sur notre objectif, sur la cible, voilà. Donc, c'est ça qu'il y a des attaquants parfois, ben, qui ne marquent pas pendant 1 mois, 2 mois, alors que ben, c'est des serial buteurs. Mais voilà, on traverse tous des périodes comme ça. Après, ben, faut savoir. Enfin, faut trouver déjà le pourquoi du comment, et puis continuer de bosser, et puis reprendre ses repères. Ouais, bien sûr. Alors, pour rappeler aux internautes, donc on est avec Anthony Mette et Johan Odel pour cette émission sur la psychologie et la performance dans le foot. Vous pouvez poser vos questions en commentaire sur le live Twitch. Il y a pas mal de monde qui est arrivé. On va passer en suivant. Alors, Emmanuel, est-ce que tu peux nous remettre le sommaire? Je voulais un peu montrer les différents sujets, notamment à Johan, voilà, psychologie par poste, le DF solide, fragile, dépression du footballeur, sujet tabou. Voilà, je voulais revenir avec toi là-dessus, Johan. Tu es un jeune retraité, mais enfin, en tout cas, en tant que joueur, attention, mais voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est vrai que
La dépression, elle est présente, comme bientôt, je vais vous montrer des chiffres assez éloquents sur le nombre, le pourcentage, etc., de joueurs en état avec des symptômes dépressifs, pardon. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou dans le monde du football. C'est clair, c'est clair. Après, bon, là, je vous cache pas que je me vois moi. Donc, j'ai du mal à voir ce que vous affichez, mais c'est vrai que, ouais, je sais pas, moi, je suis pas trop aux dernières technologies, mais Non, 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 c'est pas toi, c'est pas toi. c'est pas un souci. Non, mais voilà, pour rebondir sur ce que tu as dit, voilà, moi, c'est vrai que j'ai pas mal de connaissances, hein, d'anciens joueurs. Bah, qui traversent des périodes délicates parce que bah, voilà, soit ils ont mal géré leur après-carrière. Il y a même des gars en activité, hein, des gars en activité qui sont en souffrance parce que bah, des fois, c'est une charge trop lourde, une charge de travail trop lourde. Là, c'est l'enchaînement des matchs tous les 3 jours. Des joueurs qui ont du mal à bah, qui se séparent parce qu'ils ont du mal à voir grandir leurs enfants. Enfin, il y a plein, 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 plein de choses. Les gens pensent que c'est un long fleuve tranquille parce que oui, on gagne bien notre vie, oui, ça, il n'y a pas de souci. Sauf que derrière, il y a beaucoup, beaucoup de sacrifices à faire et il y a beaucoup de. Franchement, il y a plein de choses qui. Voilà. C'est compliqué. Bah, c'est compliqué. Anthony, alors il y a une question sur Twitch. Anthony, d'abord, est-ce que les joueurs sont justement en demande d'accompagnement psychologique? Est-ce que toi, tu as des joueurs qui viennent vers toi? Oui, c'est une très bonne question. Pour tout vous dire, en fait, les sportifs pro, footballeurs, mais quasiment tous les autres sports, en fait, ont quand même des profils psycho assez particuliers. J'allais dire un peu foufou pour aller C'est-à-dire. vite. C'est-à-dire qu'ils ont des compétences très élevées, qui sont des fois très émotionnelles, très passionnelles, qu'ils ont une détermination qu'on retrouve rarement dans la vie de tous les jours, qu'ils ont une passion, qu'ils ont une intelligence extrêmement rapide, etc. Des choses vraiment très, très intenses. Et des fois aussi des manques ou des éléments qui sont beaucoup plus bas. Donc ils ont un profil vraiment d'exception, mais qui n'est pas forcément équilibré, comme on va retrouver dans le monde artistique, ou chez des grands entrepreneurs, ou chez des politiciens, etc. Dès que vous allez vers l'excellence, peu importe l'environnement, vous avez ces profils-là vraiment extrêmes, géniaux, mais aussi fragiles, parce que justement, ils manquent d'équilibre. Donc, les footballeurs, de ce fait-là, sont des populations qui sont peut-être plus fragiles que la moyenne, parce qu'elles ont déjà un profil de base assez exceptionnel et fragile aussi, et que l'environnement dans lequel ils évoluent est dingue. Ils jouent tout le temps, ils s'épuisent physiquement, ils voyagent tout le temps, ils sont tout le temps sollicités par plein de gens, par les médias, par l'entourage, etc. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de sollicitations. Tout est entre guillemets anormal, et donc forcément ça a des conséquences en fait d'un point de vue psychologique. Donc le problème que les footballeurs ont spécifiquement, c'est qu'ils ne veulent pas assumer ça. Ils ne veulent pas, de ce que j'en vois en tous les cas, hein, pour la grande majorité, assumer qu'ils ne vont pas bien ou que c'est dur mentalement, parce que c'est un symbole de faiblesse. Et quand vous paraissez faible dans le foot, vous êtes Voilà. out. Vraiment, c'est un monde cruel. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre en avant une difficulté ou une faiblesse, parce que ça sera tout de suite perçu comme ouais, une faiblesse et vous allez perdre potentiellement beaucoup auprès de votre image, auprès de sponsors, auprès de votre entraîneur aussi, de tout un tas de gens. Donc culturellement, le monde du foot pro n'est pas encore prêt à vraiment travailler ces questions-là, il me Ouais. semble. Johan, tu confirmes, tu te reconnais, je t'ai vu hocher la tête un petit peu. Moi, je confirme complètement. Tu sais, le footballeur, il met tellement de temps à se construire une image que derrière. Bah, tu le vois avec toute l'actualité bah, qui tourne autour du foot là, en une fraction de seconde, sa notoriété, boum, elle peut plonger. Et puis voilà, donc moi je confirme, le footballeur, c'est un mec qui est fier et qui a envie de montrer bah, qu'il est fort, il a envie de montrer une bonne image de lui, il a envie de. Voilà. Et derrière, il y a plein de footeux qui ont des soucis et qui n'osent pas en parler parce que, bah, voilà, derrière, c'est exactement ça. Ils n'ont pas envie de montrer que bah, ils peuvent être faibles et qu'ils peuvent rencontrer des difficultés. Et voilà.
Et ça, c'est clair. Je l'ai vécu aussi, hein. Il Ouais, faut c'est ce pas que tourner j'allais la page. toi, tu as souvenir de situations comme ça, difficiles à gérer, mais tu arrives et tu dois faire bonne figure, coûte que coûte, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, dans la vie privée, tu sais, voilà, une séparation, ça, il y a plein de choses. On est comme tout le monde, hein, on est des êtres humains. Donc C'est ça. faut pas voir que le bon côté. Hein. Oui, c'est vrai, un footballeur, il gagne bien sa vie, il est exposé, il est dans les médias, il joue devant des milliers de spectateurs. Voilà, mais derrière, ça reste un être humain. Il a des soucis comme tout le monde. Ouais, exactement. Et c'est aussi pour ça que cette émission existe, pour qu'on ramène le footballeur à l'état d'être humain, justement. C'est pour ça que FootballX, pardon, existe. On va y arriver. Et mais Emmanuel, oui, pardon, dis-moi, juste par je vais rapport à très. ça, Vas-y, tu vas-y. sais, on parle beaucoup des footeux et de leur démarche d'aller vers, mais il y a des pays aussi où ça se passe différemment. Ce sont les fédérations, les clubs qui proposent aux joueurs des choses, en fait. Et dans une entreprise, tu vois, normale, c'est pareil. Normalement, l'entreprise met à disposition des médecins du travail, des psys, etc. Donc, on peut aussi se dire que certes, les gars ne vont pas vers les psys individuellement, mais les clubs aussi ne font pas, à mon sens, tout à fait leur travail de proposer aux joueurs des suivis, des accompagnements équivalents au niveau de ce qu'ils ont pour la médecine, tu vois, ou pour des suivis en préparation physique. C'est voilà, des deux côtés, il faudrait, à mon avis, revoir la question. C'est vrai, et toi, Johan, dans ton expérience, est-ce que tu dis justement, peut-être à un moment, si vous aviez eu un suivi psychologique sur une saison, je ne sais pas, pour une montée ou quelque chose, ou un préparateur mental, peut-être que ça aurait fait la différence à ce moment-là. Alors là, j'ai la chance de faire partie d'une structure à l'OGC Nice. Bon, moi, j'interviens plutôt au niveau des jeunes et on a un préparateur mental. Et Ah, moi, intéressant. je leur dis tout le temps aux gamins, vous avez de la chance d'avoir cette personne au sein du club. Vous avez de la chance d'avoir quelqu'un pour vous écouter. Moi, il faudrait éduquer les jeunes dans les centres de formation, les armer justement, leur expliquer ce que c'est de devenir footballeur professionnel. Encore une fois, je le répète, mais on met beaucoup en avant, voilà, le footeux, bah, il a des sponsors, il a de l'argent, il a des belles voitures, mais le footeux, c'est des années de sacrifice. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Parce que enchaîner des matchs, ne pas avoir famille, partir un mois en stage, enchaîner. Le footeux, il doit être prêt. Gérer la pression médiatique, gérer bah, son patrimoine, gérer... il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça demande un accompagnement. Généralement, les footeux, on va pas se mentir. C'est vrai qu'il y en a qui font des grandes études, mais si on regarde le pourcentage, il est faible. Donc le footeux, voilà, il a son bac, il peut aller un petit peu plus loin que le bac, mais derrière, il est rarement amené à savoir gérer tout ça. Parce qu'il n'a jamais été préparé. Et pour moi, ça serait très intéressant que les clubs commencent à réfléchir à un accompagnement. Et ça, dès le plus jeune âge. Ah voilà, c'est là que c'est intéressant. Et justement, Anthony, c'est là où on va basculer sur toi. C'est vrai que c'est intéressant ce que dit Johan. C'est vrai que là, on parle de la préparation mentale chez les adultes, chez les joueurs confirmés. Mais en fait, justement, pour avoir le moins de problèmes psychologiques, eh ben peut-être que la préparation mentale doit se faire dès le centre de formation. C'est la base. Non. On est très très bon chez un joueur, on arrive vraiment à exploiter son potentiel. Entre collège, c'est un peu le moment où les choses se complexifient, le cerveau devient aussi plus complexe et il y a plus de données à prendre en compte. Et c'est là où on peut commencer un travail de préparation mentale. Avant le collège, pour moi, c'est plutôt de la délégation d'outils, de techniques, tu vois, des entraîneurs de terrain vraiment qui font un peu de la préparation. Vie très très psycho, mais en effet, après le problème qu'il y a quand même, c'est que Johan, tu vois, c'est que comment dirais-je, la sélection en ce moment des joueurs de foot en centre de formation, elle est quand même beaucoup sur mental, pour employer un terme très vulgarisé, et c'est quand même changer aussi un petit peu les codes, tu vois, et changer un petit peu la culture du foot pro que de mettre en place beaucoup d'entraînement psychologique. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est pour vous dire que Si, je vois. tu vois, accompagner des jeunes joueurs adolescents mentalement, c'est aussi pour des coachs prendre le risque
de choisir des nouveaux joueurs qu'avant on considérait comme trop faibles ou pas adaptés au foot pro. OK. Alors qu'en leur proposant de travailler, qui est un peu le nerf de la guerre, c'est des mecs qui vont devenir très très bons. Mais ils n'étaient pas dans le moule ou dans le stéréotype des joueurs qu'on profilait et que les coachs cherchaient avant pour passer en équipe 1. Ah ouais, très intéressant, vraiment très intéressant. Justement, on va passer côté chiffres. Je voulais vous montrer quelques chiffres, en tout cas vous les donner si jamais vous ne les voyez pas à l'écran. Alors là, on va les faire apparaître. Normalement, ils y sont. Alors, je vais vous les énoncer si jamais Johan, tu ne les vois pas. Anthony, est-ce que toi tu vois l'écran? J'avoue Non. que si je fais un Eh ben, effort, je alors vois. je vais. Ah oui, c'est, vous avez, ok. Alors, c'est 37% de footballeurs dépressifs. C'est sur un panel, hein. Il y a eu une étude. 37% de footballeurs dépressifs contre, pour donner un titre de comparaison, 15% de la population classique, on va dire, hors joueur pro, qui est dépressive. Ensuite, je voulais parler de ce chiffre-là après le confinement. Le moment important de ce côté-là pour le mental et la psychologie des joueurs. Après le confinement, 50% des joueuses et 30% des joueurs présentaient des symptômes dépressifs. Voilà, c'est vrai qu'on parle psychologique et qu'il faut parler aussi des aspects assez négatifs, mais on parlera du positif aussi après, évidemment. Et on va parler aussi de choses intéressantes, et Johan, je voulais aussi avoir ton témoignage là-dessus. Il y a 25% de ce panel de joueurs et de joueuses qui présentent des troubles du sommeil, et il y a aussi des problèmes d'alcool dus justement aux symptômes dépressifs. 9% des joueurs et des joueuses actifs présentaient des problèmes d'alcool, et 25% pour les retraités, et ça correspond aussi à ce qu'on disait sur la première émission, justement, avec on parlait de la retraite, la conversion, et comme quoi c'était compliqué psychologiquement. Voilà, on peut revenir sur le live. Et voilà, c'est des chiffres assez éloquents, mais notamment pour revenir sur les troubles du sommeil. Alors ça me voilà, c'était je trouvais que c'était important d'en parler. Johan, 25% des joueurs, c'est énorme. C'est énorme. C'est un quart des joueurs qui sont touchés par les troubles du sommeil. Ouais, après, voilà, je te dis, il y a ce facteur stress à gérer, la pression des matchs, la pression de... Il y a énormément de pression autour d'un joueur. Voilà, maintenant, moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis un gros dormeur et je dormais bien, mais... Donc, Ça, je me c'est bien. reconnais pas dans ces... Voilà, mais moi, ça m'étonne pas. Moi, ça m'est arrivé de partager ma chambre. On est toujours par deux quand on part en mise au vert. Et quand j'étais à Lille, je partageais ma chambre avec un joueur. Et ce joueur, il ne dormait pas de la nuit. Et ça Ah ouais. l'empêchait pas d'être performant. C'est un joueur qui a été très, très performant. Je ne vais pas citer son nom, mais après Lille, il a été transféré à Lyon pour à peu près 20 millions d'euros. Mais c'est franchement... Moi, il m'impressionnait parce qu'il avait une hygiène de vie. Ben justement, il buvait pas mal. Et il dormait pas. Il jouait à la play toute la nuit. Et moi, j'arrivais Ah, pas à dormir. Et lui, il était excité. Il jouait à la c'était play toute la nuit. volontaire, lui. C'était C'était pas volontaire. volontaire, c'est que ben il avait, je sais pas, il était tellement stressé, il avait tellement hâte, je sais pas, peut-être de jouer, peut-être, en tout cas, il avait des troubles du sommeil, ça. Ouais. Il me rendait fou. Ouais. Mais c'est une stat qui fait peur, hein. C'est clair que, voilà, mais ça m'étonne pas. Ouais, Anthony, 25%, c'est énorme, plus les 9% problèmes d'alcool, ça c'est des pourcentages, oui, qui font peur, qui sont assez inquiétants. Ouais, le sommeil, ça me choque pas du tout. J'ai même vu pire, pardon, dans des sports comme au tennis, où ils Ah oui. voyagent tellement souvent, ils prennent tellement l'avion, il y a tellement de décalage horaire, de rythme de vie changé, que c'est très Merde. compliqué de trouver après une régularité, un cycle du sommeil récupérateur et normal. En rugby, j'ai vu ça aussi beaucoup pour des questions auprès de poids, d'obésité, tout ça, de masse musculaire. Et en foot, pareil, c'est le problème du stress, du train de vie, tu l'as dit, hein, Yoann, des jeux connectés, tout ça, ça a un impact, et c'est sur le moyen terme et long terme, par contre, ça a d'énormes conséquences médicales et psychologiques. Ah ouais, donc important, important. Et on va justement parler de cas concrets, messieurs. Je voulais parler justement de choses concrètes avec toi, ce que tu as étudié, Anthony, notamment l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde au Qatar.
Voilà. Alors, c'est intéressant parce que toi, tu es là et on a un ex-joueur avec nous qui va pouvoir nous confirmer certaines choses. Mais toi, j'ai lu en fonction de tes articles plusieurs choses sur cette préparation mentale nécessaire ou pas à cette équipe de France. Donc, pour toi, l'équipe de France a-t-elle besoin ou non d'un préparateur mental? Alors, très franchement, pour avoir vécu, tout à l'heure on en parlait en off, Nicolas, une CAN de l'intérieur il y a un an avec une équipe nationale, pour avoir des joueurs en équipe nationale, foot, rugby, etc., avec le niveau de pression qu'il y a pour les joueurs, le niveau de fatigue physique qu'ils ont accumulé pendant toute une saison, le niveau de fatigue mentale qu'ils ont en arrivant aussi à la compétition. Tous les imbroglios, les problèmes qu'il y a sur place de transport, de bus, de machin, de valise, de tout ce que tu peux avoir, d'alimentation, de maladie, de Covid, etc., etc. Je ne comprends même pas comment on peut faire ça aujourd'hui. Alors, je sais, c'est parce qu'on fait comme on faisait avant. On répète un système qui marchait à peu près bien jusqu'à maintenant. Mais il y a tellement de choses qui ont changé en 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. La pression a tellement pris une ampleur exagérée que ça me paraîtrait mais d'une enfin, logique en fait qu'il y ait un préparateur mental ou un psy pour juste écouter, accompagner, prévenir, anticiper et faire que ça se passe mieux, tout simplement en fait. Ouais. Juste ça. Et en cas pratique, justement, cette équipe de France, notamment, t'as relevé des choses sur cette finale où tu disais là, peut-être que là, ils n'en avaient pas besoin. Dans quel sens? Bah, en fait, il y a deux options. Vous avez l'option de vous dire, ces joueurs sont très forts, ce qui est le cas. C'est des mecs qui ont passé toutes les strates, toutes les étapes pour accéder au très haut niveau de leur sport, qui sont nés avec des dispositions, des caractéristiques naturelles, mentales y compris, très élevées. Ce sont des mecs très forts mentalement, résilients, qui savent quand même très bien gérer leur stress. Donc on peut se dire, ils savent faire jusque-là, ils sauront faire jusqu'à la fin. Sauf qu'une finale, ce n'est pas un match de quart, ce n'est pas un match de championnat anglais ou français, c'est une finale de Coupe du Monde. Le niveau de pression, c'est le plus haut de leur sport, le plus élevé. Et face à une telle pression, bah, ils ont beau être très très forts. Moi, je considérais quand même qu'ils auraient besoin d'avoir un accompagnement par rapport à ça, véritablement. Même Ouais. s'ils sont très forts et même s'ils sont très doués pour gérer leurs émotions et beaucoup plus que la moyenne des Français et des footballeurs. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que là, tu parles en fait de cas uniques. C'est vrai que Johan, par exemple, il y a des matchs couperets. Tu en as joué, tu as joué des matchs de coupe, tu as joué des matchs avec des classements différents. Et il y a aussi cet accompagnement psychologique ou mental qui peut être déterminant sur un match bah, qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer et qui peut nous surprendre dans un contexte particulier. Non, mais là, moi, j'ai arrêté en 2016. Là, quand je vois le rythme d'un joueur, ben ouais, de l'équipe de France, enfin, d'un joueur d'équipe nationale, ou même ouais, d'un joueur du PSG, je me dis, mais les mecs, mais ils enchaînent mais match après match. À quel moment tu as le temps de souffler? À quel moment tu as le temps de te reposer, de dire, tu vois. Moi, je sais pas, j'aimais quand voilà, le coach rentre dans le vestiaire après un match, il te dit, allez, 2 jours de repos. Mais là, tu fais comment? Parce que tu enchaînes les matchs. Mais là, ton cerveau, mais tu peux pas. Tu peux pas. Moi, sincèrement, bah, j'aurais pas pu, tout simplement. Parce que, et je comprends que des mecs pètent un câble. Je comprends que des mecs arrêtent très tôt leur carrière internationale. Parce que les mecs, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de souffler, ils ont besoin de voir leur famille, ils ont besoin, pardon, de voir grandir leurs enfants. Et là, l'enchaînement, la pression, les enjeux, franchement, mais c'est invivable. Franchement, moi, je leur dis respect. Quand je vois que Mbappé, après la Coupe du Monde, ben, il rentre au PSG nature sans prendre de vacances. Ben, moi, je me dis ben, respect. Parce que, sincèrement, voilà, le mec, c'est une machine. Le mec, il veut gagner le ballon d'or. Parce que sans ça, mais voilà. Après, il est jeune. Il n'a pas encore d'enfant. Bon, je ne sais pas s'il a une nana. Mais voilà. Mais franchement, c'est dur. C'est très, très dur. Très, très dur. Alors Anthony, je te vois hocher la tête quand il a dit, je ne sais pas s'il a des enfants, etc. Ça, c'est aussi pour toi un facteur, voilà, l'entourage familial, le contexte plutôt, on va dire, familial est important, forcément.
C'est une question compliquée, ça, qui est dangereuse. T'es pas obligé d'y répondre. T'es pas obligé. Non, je vais quand même te répondre parce que j'ai, du coup, j'ai la vision, moi, du coup, d'autres professions et d'autres sports. Et en foot, ce qui est particulier, c'est que bon, les joueurs font des gamins quand même assez tôt, ce qui n'est pas sans conséquence parce qu'il y a des professions où le niveau d'exigence et de stress est des fois au moins aussi grand, et les gars savent qu'ils ne pourront pas avoir de gamin tout de suite parce que ça prend trop de temps, c'est trop fatigant, ça demande de chambouler tout le quotidien, etc. etc. Et faire des enfants pour un sportif pro, c'est pas anodin. Ça change beaucoup de choses. Ça change déjà quelques éléments psychologiques parce que dès que vous avez un gosse, votre niveau de stress augmente. Vous avez peur pour lui tout le temps. Vous dormez moins. Donc on revient à la récupération, au sommeil, tout ça. Ça change votre capacité aussi à partir un mois, 15 jours en préparation loin parce que vous préférez être à la maison avec votre petit plutôt que d'être avec les gars, même si c'est vos potes, un mois à l'étranger ou en préparation. Donc ça change beaucoup de choses. Donc les gamins et la vie familiale, ça devrait se réfléchir à une carrière comme ça qui, en effet, peut être très courte et parce que ça a des conséquences. Ah oui, et justement, Johan parlait de la fatigue psychologique et j'ai failli oublier le cas Varane parce que justement c'est d'actualité. Et quand il explique il y a pas longtemps pourquoi il arrête, il parle de fatigue psychologique. C'est pour toi, Anthony. Il parle vraiment d'une fatigue. Il a seulement 29 ans, hein. C'est pour ça que ça a surpris beaucoup de monde. Mais Raphaël Varane, il a gagné plusieurs Ligues des Champions, il a gagné la Coupe du Monde, et peut-être que bah, il s'est senti un peu. Est-ce que c'est quoi? C'est de la lassitude? C'est une fatigue justement pour aller chercher une performance supplémentaire? C'est forcément ça. Il y a aussi autre chose qui est beaucoup étudiée en Asie, par exemple, c'est-à-dire que les sportifs asiatiques, à un moment donné, quand ils avancent en âge, tu vas passer 25 ans, voire 30 ans, le sport n'est pas assez nourrissant pour eux. Ah Le oui. ballon, les copains, ce que tu veux, c'est cool, mais c'est pas assez nourrissant. Ils ont une recherche de sens dans ce qu'ils font et de mettre plus de profondeur dans le fait de jouer à tel sport, au foot en l'occurrence. Et si les coachs, clubs, etc., ne proposent pas ça, ou que les mecs n'ont plus le temps, tout simplement, de trouver autre chose et de la profondeur à ce qu'ils font, qu'elle soit philosophique, religieuse, spirituelle ou peu importe, eh bien, en effet, le sport n'est pas assez nourrissant. Certes, ça rapporte beaucoup d'argent. Certes, c'est leur vie depuis qu'ils ont 10 ans. Mais à un moment donné, c'est intellectuellement, ce n'est pas suffisant, en fait. Et Varane, j'ai vu son reportage chez tes collègues. Il en parle très bien, avec beaucoup, je trouve, d'optimisme, de tempérance et de calme. Et il n'a pas dit ça comme ça, mais il dit qu'il en est fait très fatigué, qu'il est lassé et que les déplacements, parce que franchement, on ne se rend pas compte en extérieur, mais les déplacements incessants et le fait d'être loin de chez soi tout le temps, d'avoir toujours deux valises de prête, d'avoir toujours la pensée, tu vois, de se laisser traîner à droite à gauche tout le temps, c'est quand même particulier, quoi. Particulier. C'est vrai, vie particulière justement. On va parler du dernier cas concret. En fait, on va essayer de justement poser des mots sur un cas concret. Le Paris Saint-Germain et la Ligue des Champions. On remarque, de toute façon, on le voit, que le Paris Saint-Germain a cet objectif avec les propriétaires actuels d'aller chercher cette Ligue des Champions. Mais après plusieurs années de présence au club et malgré un effectif pléthorique avec des joueurs avec des valeurs intrinsèques. Tu parlais, Johan, tout à l'heure de Kylian Mbappé, mais c'est un joueur parmi d'autres dans cet effectif. Ils ne vont pas au bout. Donc on se demande si le problème est vraiment au niveau du football et s'il n'est pas ailleurs. Alors on parle de la gestion du club, mais là, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté psychologique. Et est-ce que justement, après toutes ces défaites, après la claque face au Barça, cette fameuse remontada, la défaite face à Manchester, Johan, je veux bien ton avis, ensuite ton analyse, Anthony. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas ce côté psychologique qui est quasiment primordial dans les mauvais résultats, entre guillemets, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Après, quand tu es un compétiteur et quand tu es un champion du niveau des joueurs du PSG, parce que j'aime beaucoup cette équipe, une équipe française avant tout, et moi ça me fait toujours plaisir de voir une équipe représenter la France en Ligue des Champions, c'est une compétition que j'adore suivre. Tu sais, je pense que
Ben, ils ont toujours hein, dans un coin de la tête, c'est sûr qu'ils ont toujours ben, cette remontada, etc., etc. Mais à un moment donné, dans la fixation d'objectifs de début de saison, les mecs, ils sont focus sur ce qu'ils ont à faire. Après, ben, voilà, il y a le talent hein, qui rentre en jeu, même s'ils en ont beaucoup. Mais moi, pour moi, l'aspect, pardon, psychologique, il est secondaire. Moi, pour moi, quand je vois cette équipe rentrer sur le terrain, notamment lors de la dernière Ligue des Champions, elle a envie de gagner la Ligue des Champions. Après, elle n'y arrive pas parce que ben, voilà, l'adversaire est plus fort. Mais à part la remontada, oui, on les a vus perdre leurs moyens et ça, c'était palpable, j'ai envie de dire. Moi, pour moi, sincèrement, cette équipe, elle a envie. Elle montre qu'elle a envie. Elle fait les choses pour. Mais elle n'y arrive pas parce que ben, c'est voilà, c'est une question de talent, de malchance, avec des blessés au mauvais moment. Et voilà. Ok, Joanne, très intéressant. est-ce que tu trouves que l'équipe du PSG, elle joue aussi bien, voire mieux, dans les grands matchs de Ligue des Champions qu'en championnat? C'est pas le même adversaire, c'est pas pareil. Là, tu joues face à ce qui se fait de mieux. Des équipes qui ont l'habitude de gagner la Champions League. Tu joues le Real, tu joues le Barça, tu joues la Juve, tu joues le Bayern. Ça te change de Troyes, de Lorient, de voilà, sans manquer de respect à ces clubs-là. Surtout Lorient. C'est des joueurs. On le voit, tu parlais de tennis tout à l'heure. On le voit avec un Rafael Nadal qui est capable de se faire sortir d'un tournoi pourri au fin fond des États-Unis là-bas. Et derrière, il va répondre présent à Roland-Garros ou voilà. Tu vois, c'est parce que ben, les mecs, c'est pas pareil. C'est une autre compétition. C'est une autre compétition. Moi, j'ai eu la chance de la goûter, même si j'étais jeune et même si c'était que 2 matchs. Mais c'est différent. C'est différent. Les grands joueurs décident dans ces moments-là. Et moi, je peux te dire que c'est ça qui fait la Alors, je te le pose différemment, plus précisément. Est-ce que diff. tu trouves qu'ils ont le relâchement qu'ils ont en championnat et est-ce qu'ils ont cette petite dose comme ça de goût de la gagne de combattants qu'ils devraient avoir dans ces grands matchs de Ligue des Champions? Moi, je pense qu'à certains moments, tu as certains joueurs qui développent un complexe d'infériorité. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mbappé, il n'y a rien qui lui fait peur. Mbappé, il rentre sur le terrain, il n'y a rien qui lui fait peur. Il y a des joueurs, tu vois que ce n'est pas les mêmes. Tu vois que ce n'est pas les mêmes. Tu vois qu'ils jouent avec plus de crainte. Tu vois que il y a un complexe d'infériorité. Tu le vois. Voilà Ah. comment je le ressens, moi. Donc c'est un petit peu psychologique justement. Il y a comment dire il y a comment dire un viewer qui dit quand tu gagnes quasiment tous les matchs aller et que tu perds quasiment tous les matchs retour, il y a quand même peut-être un petit problème mental et psychologique. Qui veut? Ça Qui c'est veut pour ça répondre? c'est pour je laisse ça pour le spécialiste. Même si les joueurs qui jouent aujourd'hui n'étaient pas ceux qui ont pris la remontada contre le Voilà, Barça, ça en c'est important. fait, Il y a un transfert psychologique. exactement, même si ce n'est plus les mêmes joueurs, à 15 jours du match, toute la presse ne parle que de ça. Donc comment veux-tu que les joueurs, en fait, ils soient distants totalement, coupés du monde suffisamment pour ne pas être impactés par ça? C'est presque impossible. On vous en parle du matin au soir sur les réseaux, dans la presse écrite, la télé, les journalistes, vos potes, vos machins, etc. C'est ambiant, en fait. Donc c'est créé avec ces espèces de matchs-là, c'est vraiment une espèce de mélodrama quasiment, comme si c'était un film ou un truc vraiment... romanesque quoi, qui font qu'à mon sens les joueurs ne peuvent pas être totalement détachés de ça. Après, moi je suis pas expert du foot, j'ai jamais joué au foot à ce niveau-là. Je trouve quand même que quand on les voit jouer les grands matchs de Ligue des Champions, alors pas Mbappé qui pour moi est un c'est notre Jordan français, notre Tiger Woods français, vraiment il est dans une autre dimension. Mais les autres joueurs en fait ils ne dégagent pas la confiance. Et surtout l'envie d'aller à fond, presque de se faire mal, qu'il devrait avoir pour des matchs de cette intensité-là et avec ces enjeux aussi conséquents d'un point de vue de performance.
Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas la faute des joueurs, c'est la faute du staff et du club. Parce que si on ne leur propose rien ou qu'on ne leur impose rien non plus, bah, pourquoi voulez-vous qu'ils aillent de leur plein gré, fondamentalement, voir un psy au préparateur mental? Ouais, mais justement, comme disait Johan, en tant que joueur, lui dit voilà, et c'est ce que disent aussi les joueurs. Il a raison, c'est-à-dire que les joueurs, eux, ont envie. De toute façon, quel joueur n'aurait pas envie de se qualifier pour la demi ou pour la finale, mais que il y a, comme tu le dis, Anthony, il y a une apparence, quelque chose. Quand on les voit, on a l'impression qu'ils ne veulent pas, alors que dans leur tête, si. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rapport tête-corps qui ne fonctionne pas. C'est quoi? C'est la peur, justement, ce transfert de peur des résultats d'avant? Faudrait les voir pour savoir, mais il est fort probable que c'est la peur en fait, que le niveau de stress est beaucoup plus grand que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir contre Troyes ou Angers. Et en effet, sans avoir d'irrespect pour Troyes et Angers, il y a un niveau, il y a un écart assez conséquent qui fait que les joueurs du PSG peuvent jouer assez facilement et relâcher parce qu'ils n'ont pas la pression. Ça n'a presque rien à voir en termes d'engagement, d'intensité physique, mentale, tout ça. Puis aussi le fait des stades remplis, des projecteurs, du nombre de caméras, du nombre de micros, tout ce qui va autour en fait. Moi j'ai eu des joueurs pro l'an dernier par exemple qui me disaient je joue tel match en Ligue des Champions. Les joueurs ils se projettent déjà que s'ils font un bon match devant les caméras sur ce match-là, ting, leur cote elle va grimper et donc ils jouent énormément sur un match en fait. Ça change tout. Donc, ouais, de toute façon, vraiment, je considère sans être trop radical qu'à part Mbappé, il est presque impossible pour un joueur de jouer à son niveau ou de jouer avec le niveau qu'il pourrait avoir dans des matchs aussi difficiles et aussi intenses au niveau émotionnel. C'est presque impossible. Bon. Ouais, bah, et c'est vrai que Johan, on voit une certaine différence au Paris Saint-Germain sur cette après-Coupe du Monde. On a vu l'intensité et peut-être l'envie entre guillemets des joueurs, même en Ligue 1, avant cette Coupe du Monde. Et on a l'impression que il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors justement, est-ce que c'est psychologique ou autre, notamment des joueurs importants de l'effectif, pour pas citer Messi ou d'autres. Mais c'est vrai que on a l'impression qu'il y a un petit relâchement. Du côté du Paris Saint-Germain sur ses premiers matchs post-Coupe du Monde. Je vais être honnête avec vous, je regarde pas trop les matchs en ce moment. J'ai énormément de travail, donc je regarde pas trop. Je suis les résultats et j'entends. Et voilà, donc c'est pour ça que je ne porterai pas de jugement sur cela. Tu fais bien. Je ne vois pas les matchs. Ouais, Anthony, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que là, il peut y avoir cette. Justement, tu parlais de cette différence d'intensité de match et d'importance. Eh ben, Messi vient de jouer une finale de Coupe du Monde qu'il a remportée. Et derrière, il faut se reconcentrer sur la Ligue 1. Moi, je ne cite jamais de club. Mais voilà, il faut se reconcentrer sur la Ligue 1. Et derrière, eh ben oui, là, psychologiquement, c'est peut-être plus compliqué. C'est là Ouais, qu'un tout à fait. préparateur mental, et le PSG voulait d'ailleurs vous laisser attacher après la dernière élimination en Ligue des Champions. Ouais, Pardon, je te laisse ça a été évoqué. continuer. Ouais. Moi qui bosse avec des joueurs pro au foot, rugby, tout ça, mon travail c'est aussi de dire des fois aux joueurs. De ne pas jouer tous les matchs à 9 sur 10 en termes d'engagement et de motivation, parce que c'est impossible. Une saison, c'est beaucoup trop long. Et ils doivent savoir nuancer leur engagement, être beaucoup plus tranquille et savoir faire des matchs à 6, 7 sur 10. Et par contre, là où ils sont très très bons, c'est que les matchs de Ligue des Champions, ils doivent jouer à 8 et à 9 en finale. Et ceux qui savent faire ça, qui savent monter leur niveau, c'est vraiment les meilleurs joueurs. Mais les meilleurs joueurs savent aussi des fois être un peu en retrait, un peu mettre un peu le frein, parce qu'une saison, juste physiquement, c'est pas possible en fait de tenir une saison en état à 9 tout le temps sur 10. Donc, c'est mou et que une équipe, ça sert à ça aussi. Hein. Il y a 25-30 joueurs, il y a des remplaçants, ça tourne et puis ça permet à ce que tout le monde retrouve son homéostasie sur une longue distance, quoi. Ouais, très intéressant. Et alors, on arrive sur la fin de l'émission, ça passe très vite. Je vais vous montrer le jeu qui bientôt va faire gagner des cadeaux. Ça s'appelle, écoutez bien, Fils de but.
Fils de but, comme le but que l'on marque évidemment. Alors, on va encore s'entraîner ce soir. Il y a trois niveaux. J'espère que vous allez pouvoir voir un peu. Alors, c'est des enfants de joueurs qui vont apparaître. Et en fait, les internautes, mais vous aussi, vous allez jouer avec nous, vont devoir deviner à qui appartiennent en fait ces enfants qui apparaissent à l'écran. Allez, alors il y a trois niveaux. Vous allez voir, à chaque fois, on rigole bien. J'espère que vous allez pouvoir les voir un petit peu. Alors, on va passer au niveau 1. Emmanuel, si tu peux mettre à l'écran le niveau 1. Voilà. Alors, c'est le niveau 1, c'est censé être le plus facile. C'est le fils d'un joueur français. Alors, je vais regarder tout de suite sur les commentaires si ça joue un peu. La dernière fois, il y a quelques internautes qui ont vite trouvé les premiers niveaux. C'était plus compliqué pour le dernier. Alors, son papa est un ex-international français. Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Moi, je vois pas. Je dirais Thuram. Alors, non. Alors, vraiment pas. T'as aucune image, t'as aucun retour. Non, aucune image. Aucune image. Mince. Il aurait fallu que je t'envoie le lien de la chaîne Twitch pour que tu vois en direct. Est-ce que Emmanuel, tu peux voir ça? Est-ce que toi, tu as quelqu'un? Alors, on me dit Lisa Razou. Non. Ah, c'est vrai que c'est plus proche de Lisa Razou que de Thuram, hein, pour te donner des infos, Johan. Mais c'est pas Lisa Razou, c'est un ancien joueur connu malheureusement pour un fait en équipe de France un peu malheureux, qui s'est reconverti à la télévision. Alors, non, toujours pas Lisa Razou, vous ne l'avez pas? Alors, c'est David Ginola, c'est le fils de David Ginola, Andrea Ginola. Tu l'as pas toujours, Johan? J'aimerais bien que tu aies au moins... J'ai l'ordi à côté, c'est quoi le lien de la... Ah, c'est Footballix TV, je vais te laisser te connecter tranquillement sur Twitch. Comme ça, tu peux t'abonner, ça fera un abonnement en plus. Je te laisse pour le niveau 2. On va pouvoir. Alors, sinon, Emmanuel me dit qu'elle te l'a envoyé par mail. Mais sinon, est-ce que tu vois là? Tu me dis quand c'est OK pour toi. Non. Alors, attends. Alors, on va passer quand même à la photo 2 en attendant que Johan se connecte. Emmanuel, si tu veux bien. Sinon, tu as envoyé le lien par mail. Hein. Alors, Johan, est-ce que toi, tu l'as, ça y est? Non. Toujours pas? Non, toujours pas. Attends. Tu sais quoi? Je vais t'envoyer la photo. Et je l'ai, c'est bon. Ça y est, tu l'as? Eh ben voilà, c'est bon. Ouais. Alors, niveau 2. C'est un peu plus compliqué, soi-disant, que le premier. Alors, le maillot peut vous aider. Il y a le papa aussi qui le tient derrière. Est-ce que ce fils de but vous dit quelque chose? International français aussi. Retraité. Il ressemble un peu à son papa. Moi je sèche, hein. Je dis rien, c'est que je sèche. Alors, ben, on en a parlé pendant l'émission. C'est un jeune retraité. Tu l'as, Johan? Ouais. Vas-y, tu peux le dire. Varane. C'est Varane, c'est ça. Le fils de Raphaël Varane. Alors maintenant, on va passer au troisième, au niveau 3. Et alors là, messieurs, accrochez-vous. Voici le fils de but numéro 3. Alors, est-ce que ce petit garçon vous dit quelque chose? Alors, fils d'international, retraité également, mais brésilien. Fils d'international brésilien. Ouais. Rai, non? Ouais, j'allais dire Rai aussi. Ouais. Pareil, c'est pareil. C'est vrai qu'il y avait, peut-être un petit air de Rai. On va pas créer de problème. mais non, c'est pas le fils de Raí, c'est le fils d'un grand Brésilien passé notamment par le Real Madrid, qui a fait l'essentiel de ses carrières au Real Madrid.
Toujours pas. Marcello? Alors, on va dire Non, il joue encore, Ronaldo. Non. Marcello. Marcelo, il joue encore, ouais. Il est retraité, là, Marcello. ça fait un petit bout de temps maintenant que son papa est retraité. Ah, Bah, Carlos. après, il a les dents à Roberto Rotterdam. Carlos? Il a les dents. Ouais. Roberto Carlos, exactement, Roberto bravo. Carlos. C'est le fils de Roberto Carlos. Alors, Roberto Carlos, c'est un des enfants de Roberto Carlos, parce qu'il a la particularité d'avoir 8 enfants de 7 femmes différentes. Voilà, donc il a fallu que j'en choisisse un, et c'est celui-là que j'ai choisi. Voilà, on a. Donc il mettait pas que des coups francs alors. Voilà, je te laisse cette réflexion à toi, mais c'est vrai, il était adroit dans plein de domaines. Alors voilà, c'était fils de bite petit à petit. On introduit ce petit jeu à chaque émission et c'est toujours un petit moment sympa. Voilà, messieurs, on touche à la fin de Footballix sur cette émission spéciale psychologie et performance. Je tiens à vous remercier pour ce débat très intéressant. On a appris plein de choses. Johan, je te remercie pour ton passage. Merci. T'es à Clairefontaine plusieurs jours là, comment ça se passe? T'as Ouais, quelques. jusqu'à vendredi, et après je retourne à Nice. Et ouais, à Nice, aux affaires. On retourne aux affaires. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir apporté tous tes témoignages. C'était super intéressant. Et puis bah t'es le bienvenu quand tu veux, puis je te souhaite une bonne saison. Avec plaisir. Et Bonne... Anthony, pardon, vas-y. Non, non, je disais bonne soirée à tous, Ouais, merci. bonne soirée, salut Johan. Anthony, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que on peut suivre tes travaux quelque part? Est-ce que voilà, si tu as des réseaux ou des choses à partager, n'hésite pas. Oui, bah, j'ai des bouquins facilement Exactement. trouvables sur Internet. Et après, on publie beaucoup de choses avec mon école de préparation mentale sur LinkedIn, notamment. On fait beaucoup de commentaires de matchs ou d'analyses de matchs Très très intéressant. psycho-préparation mentale. Notamment les viewers pourront retrouver justement tes analyses sur l'équipe de France au Qatar. Voilà, c'est intéressant. Merci beaucoup Anthony, toi aussi t'es le bienvenu, tu le sais, vu les thématiques. Tu seras souvent convié dans cette émission, Johan, quand tu veux aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine, on va parler économie. Restez connectés, les réseaux sociaux vont vous annoncer tout ça. On va parler d'économie des clubs en profondeur, vraiment, de très très près. Vous allez voir, on va révéler beaucoup de choses. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir suivi cette édition numéro 3 de Footballix et je vous dis bonne soirée à tous. À très bientôt. Salut. Ciao. Salut.